Le ministre des Enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des Enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la CAMTEL, la CIRTV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnel auquel vous êtes habitué. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme! La solution du Cameroun contre le Covid-19 et au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des Enseignements secondaires. Bienvenue à la dernière séance pour ce qui est de la séquence 5 qui porte sur les prévisions en génétique humaine. Je suis Defofonti Gislain, enseignant de SVTE-HP, et avant d'entamer cette leçon, nous allons revenir sur la leçon précédente, au thème de laquelle un exercice a été soumis à votre réflexion. Pour cet exercice, on estime pour l'albinisme, une maladie qui résulte d'une mutation autosomale récessive caractérisée par une dépigmentation généralisée de la peau. On estime donc à 1% la population humaine hétérozygote pour ce caractère. Étant donné les connaissances acquises pour ce qui est du calcul du risque, on doit calculer le risque pour deux parents phénotypiquement sains d'avoir leur premier enfant albinos. Vu que ces parents sont pris au hasard dans la population, chaque parent ici a donc 1% de chance d'être hétérozygote. On va donc multiplier 1 sur 100 pour le père par 1 sur 100 pour la mère et multiplier par la chance pour le père de donner l'allèle récessif à l'enfant et la mère de donner aussi l'allèle récessif à l'enfant, donc fois 1,5 fois 1,5. Calcul bien fait, on obtient 1 sur 40 000. Voilà donc le risque pour ce couple d'avoir leur premier enfant albinos. Pour le deuxième enfant, on connaît déjà le statut du premier enfant. L'enfant est albinos. Sachant que le premier enfant est albinos, on sait donc que le couple est hétérozygote. Le risque donc se calcule en multipliant la chance pour le père de donner l'allèle récessif à l'enfant, au deuxième enfant, et la chance pour la mère de donner l'allèle récessif au deuxième enfant, soit 1,5 fois 1,5, 1 quart. Vous voyez donc que comparé à la première situation, le risque augmente. Ensuite, pour un couple dont l'un est albinos et l'autre est normal, pris au hasard dans la population humaine, on estime que 1% est hétérozygote. Petit a, déterminer ou calculer le risque pour que le premier enfant de ce couple soit albinos. Bien sûr, il faut que l'autre membre du couple qui est normal soit hétérozygote. L'albinos est d'office homozygote. On va donc, pour cela, multiplier le risque pour que le parent normal soit hétérozygote. Comme il fait partie de cette population, il a été pris au hasard, donc sachant d'être hétérozygote, c'est 1 centième. L'autre est albinos, donc il est d'office homozygote, on multiplie par 1. Et l'individu hétérozygote a une chance sur deux de donner l'allèle récessif à l'enfant. Et l'autre parent qui est albinos a 100% de chance de donner l'allèle
récessif à l'enfant. Donc, on multiplie ici 1 centième par 1, par 1 demi, par 1. Calcul bien fait, on obtient 1 sur 200. B. Déterminer le risque pour que le deuxième enfant de ce couple soit aussi albinos. Et on demande de considérer que le premier enfant n'est pas albinos. Sachant cela, l'individu normal est hétérozygote, donc sa chance d'être hétérozygote c'est 1 centième puisqu'il est pris au hasard dans la population. L'autre parent est d'office albinos. Et vous allez voir que c'est le même raisonnement et on obtient le même résultat comparé à la question précédente, soit 1 sur 200. Nous avons révisé le calcul du risque et nous entamons, comme j'ai annoncé tout à l'heure, la dernière séance de cette séquence intitulée « Application et implication des connaissances en génétique humaine ». Nous avons parcouru un certain nombre de notions, nous avons étudié les cas de transmission, nous avons appris à calculer le risque. Toutes ces connaissances acquises, quelles seront leurs implications dans certains aspects de la vie? Quelles seront leurs implications dans la génétique à proprement parler? La leçon sera déroulée suivant ce plan où nous allons, comme exemple d'application, étudier deux types d'examens, les examens médicaux prénuptiaux et les examens médicaux prénataux. Et nous verrons donc leur importance dans la génétique humaine et même pour la vie de façon plus globale. Bien sûr, à la fin, vous serez capable d'expliquer la nécessité de ces applications que sont les examens prénuptiaux et prénataux. Il est important donc de rappeler un certain nombre de notions essentielles que nous avons vues depuis l'entame de notre séquence. La notion d'arbre généalogique, qui est la représentation graphique ascendante ou descendante d'un individu. Et vous avez vu que cette représentation utilise des symboles conventionnels. Nous avons vu quelques mots de transmission des maladies héréditaires. Les maladies transmises selon le mode autosomal récessif, à savoir l'albinisme, la drépanocytose, la mucoviscidose, la phénylcétonurie, et on peut ajouter d'autres maladies, les thalassémies. La liste n'est pas exhaustive. Nous avons vu les cas de transmission autosomique dominant. Comme exemple, nous avons étudié la chorée de Huntington et la chondroplasie. Comme exemple de transmission chromosomale récessive, nous avons étudié l'hémophilie, l'atonisme, et dans la littérature, vous pouvez découvrir aussi les myopathies, comme la myopathie de Duchenne. On a traité du daltonisme. On peut aussi citer comme exemple le déficit en glucose cyphosphatase déshydrogénase, c'est une enzyme. La liste n'est pas exhaustive. Nous avons, pour le cas gonosomique dominant, gonosomal dominant, étudié le syndrome de Lys fragile et le rachitisme, autant pour moi, vitamino-résistant. Et bien sûr, il faut retenir que par prévision, on entend l'étude, la déduction par calcul ou mesure de l'évolution d'une situation donnée. C'est-à-dire, on a vu que connaissant, par exemple, les génotypes, connaissant le phénotype, est-ce qu'on peut écrire des parents, est-ce qu'on peut écrire des génotypes et déterminer le phénotype des parents, connaissant la proportion des hétérozygotes dans une population. Est-ce qu'à partir de cela, nous pouvons prévoir le phénotype des descendants? Est-ce qu'ils seront normaux ou malades? Nous avons
dans le cadre des calculs, du comment on calcule les risques. Voilà donc pour nos rappels et on va donc entamer véritablement la leçon en étudiant la situation de Sorel. Sorel est enceinte et bien portante. Pourtant, à la suite d'une visite médicale, elle apprend du médecin qu'elle mettra au monde un enfant mal formé. Une situation qui inquiète son mari, lui aussi en bonne santé, lequel pense que le médecin s'est trompé et veut mieux comprendre. Bien, voilà donc la situation vécue par Sorel. Elle et son mari sont bien portantes, mais un médecin affirme que l'enfant qui viendra au monde sera un enfant mal formé. Naturellement, on doit se poser la question de savoir comment est-ce que le médecin a procédé ou sur quoi le médecin s'est appuyé pour faire une telle affirmation. Autrement dit, de façon scientifique, on peut se demander quels sont les examens médicaux qui permettent ou qui ont permis aux médecins de prévoir la survenue d'une telle anomalie chez l'enfant à naître de Sorel. Pour répondre donc à une telle question, on va donc avancer une série d'hypothèses et c'est naturel que certains vont se dire que le mari déjà n'est pas le père de l'enfant. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de savoir, on n'a pas besoin de connaître ce que le médecin a fait. On peut donc penser que l'enfant n'est pas celui de son mari. On peut avancer l'hypothèse selon laquelle le médecin a analysé les résultats de leurs examens prénuptiaux. Troisièmement, le médecin a analysé les résultats de leurs examens prénuptiaux et effectué les examens prénataux. Ensuite, le médecin s'est appuyé sur l'âge et les antécédents familiaux de Sorel. Voilà donc quelques hypothèses qu'on peut émettre pour essayer de comprendre l'affirmation du médecin selon laquelle un couple bien portant mettra au monde un enfant mal formé. Les activités que nous allons mener vont porter premièrement sur l'étude de quelques examens prénuptiaux et leur importance. Vous avez vu dans les classes antérieures que par prénuptial, on entend avant l'accouplement. Par extension, l'examen fait avant le mariage. Nous avons notre premier document qui porte donc sur la détermination du groupe sanguin. En plus du système ABO, qui est un exemple du groupe sanguin, il existe un autre système qu'on appelle le système rhésus. Et selon ce document, la détermination du groupe rhésus porte donc sur la réaction des globules rouges face à un anticorps lorsqu'ils sont en contact d'un anticorps qu'on va appeler anticorps anti-rhésus, en quoi appelé anti-D. On va donc prendre l'échantillon de sang de 4 individus ABC et on va donc mélanger à ce sang quelques gouttes de sérum contenant cet anticorps dont le sérum est déposé sur ces échantillons de sang. Et pour savoir si, pour connaître le résultat, on a donc deux possibilités. Soit l'anticorps va réagir avec les hématies, les globules rouges du sang, et on va observer la glutination. Et j'ai dit tout à l'heure que l'anticorps, l'antidé qu'on utilise ici, c'est un anticorps anti-système rhésus. Ça veut donc dire que si on doit donc déterminer les groupes sanguins
des quatre individus, là où il n'y a pas d'agglutination, on dira que l'individu est rhésus négatif. Donc son groupe sanguin ici c'est rhésus négatif. Là où il y a agglutination, l'individu est rhésus positif. Donc les individus A et C sont rhésus positifs, tandis que les individus B et D sont rhésus négatifs. Nous évoluons avec ce tableau qui montre donc le gène impliqué dans l'expression du facteur rhésus au niveau des globules rouges. En observant ce document, on peut relever les principales versions de ce gène ou les principaux allèles qui codent pour le facteur rhésus. Et l'étude de ce tableau, quand on s'intéresse aux versions alléliques, en lisant bien le document, nous avons l'allèle dominant noté RH+, qui code pour le facteur rhésus, et l'allèle récessif RH- qui ne code pas pour le facteur rhésus. Pour le premier cas, les génotypes possibles seront RH+, RH+, ou alors RH+, RH-. Dans ce cas, l'individu est hétérozygote et il sera phénotypiquement rhésus positif. C'est-à-dire qu'il va posséder l'antigène D si ses globules rouges. L'individu, pour l'allèle RH-, le seul génotype possible c'est RH-, RH-, et c'est récessif, et l'individu sera rhésus négatif. Donc, vous comprenez qu'on peut être soit rhésus positif, soit rhésus négatif. Connaissant cela, d'autres études complémentaires ont été menées, lesquelles ont relevé qu'une mauvaise détermination de ces rhésus ou bien une absence de détermination de ce groupe sanguin peut avoir des conséquences sur les enfants à naître dans une famille. Et ce document nous montre donc les conséquences possibles selon les unions hommes-femmes. Nous lisons que l'union entre un homme rhésus positif et une femme rhésus positif va donner soit un enfant rhésus positif ou un enfant négatif parce que les parents peuvent être hétérozygotes. Il n'y a aucune conséquence dans ce cas. L'homme peut être rhésus positif et la femme peut être rhésus positif et l'homme rhésus négatif. Dans ce cas, les enfants peuvent être rhésus positifs et ou rhésus négatifs. Il n'y a aucune conséquence dans ce cas. Mais lorsque la femme est rhésus, avant d'y arriver, lorsque la femme est négative et l'homme est rhésus négatif, là aussi il n'y a aucune conséquence. Mais si l'homme est rhésus positif et la femme est rhésus négatif, on montre qu'il peut avoir des conséquences. Et c'est l'union à risque à relever pour ce document, c'est-à-dire l'union entre un père rhésus positif et une mère rhésus négatif. Quelle est la conséquence? Quand nous lisons ce document, la mère porte un enfant qui est rhésus positif, vu que le père est rhésus positif. Donc l'enfant est rhésus positif et lorsque la mère va accoucher, par exemple, il y aura contact entre le sang de la mère et le sang du bébé. Ou alors même, il peut avoir des traumatismes placentaires au cours de la grossesse qui peut faire qu'il y a contact entre les deux sangs. Ce contact va donc faire que l'organisme de la mère va se rendre compte, entre guillemets, qu'il y a le rhésus positif dans son corps, les hématies rhésus positifs, alors qu'il est naturellement rhésus négatif. Il va donc produire des anticorps anti-rhésus positifs. Mais généralement, quand ça arrive pour la première grossesse, le premier bébé est bien portant. Maintenant, pour une deuxième grossesse, si rien n'est fait, la mère ayant déjà produit des anticorps, ces anticorps vont traverser le placenta et détruire les hématies portant le facteur rhésus positif du bébé. Et on observera donc comme principale conséquence
la mort par hémolyse des hématies du fœtus. Bien. Après les tests initiaux concernant les groupes sanguins, vous avez aussi l'électrophorèse de l'hémoglobine. Et ce document nous montre, par exemple, l'électrophorèse réalisée chez les individus d'une famille. On a environ 7 individus. On a déposé donc les échantillons d'hémoglobine à ce niveau et on observe la migration entre les deux bornes et la plaque utilisée pour le test hémoglobine porte donc des bandes d'hémoglobine qui sont en fait des témoins. Et on a ici l'hémoglobine A, dont la migration est plus rapide que l'hémoglobine S. Et on sait que l'hémoglobine S est la mauvaise hémoglobine. Bien, on va donc identifier le génotype des individus, puis construire l'arbre généalogique de cette famille. Ici, vous avez, on va donc lire rapidement, ici, le père a les deux versions, donc il est AS, la mère a les deux versions, la fille, une, A, l'hémoglobine A, donc elle est homozygote. Le fils 1 a la version l'hémoglobine S, il est homozygote SS. La fille 2 est AS, il y a deux bandes. Et le fils 2 a, on en sait une seule bande, il est homozygote. Et il y a le petit-fils ici qui est homozygote SS. Les génotypes étant faits, on peut donc construire un arbre généalogique. Donc, vous voyez, il y a l'implication d'un test préinitial. Ça permet de préciser déjà la généalogie, c'est-à-dire les liens entre les individus d'une famille. Et on peut s'amuser à calculer le risque pour la fille 5 de l'arbre généalogique que nous avons tracé tout à l'heure, cette fille. Elle est hétérozygote. On va donc calculer le risque pour cette fille d'avoir un enfant drépanocytaire en supposant que 40% de la population est hétérozygote. Pour avoir cet enfant, forcément, elle doit le faire avec un homme. Et cet homme, donc, fait partie de cette population. Le risque pour cette femme, déjà, il faut remarquer qu'elle a un frère malade. Et comme nous avons vu au cours de la séance précédente, le risque pour cette femme d'être hétérozygote est de tiers. Comme je ne dis pas le risque pour l'homme d'être hétérozygote, c'est 2/5, vu que 40% de la population est hétérozygote. Et on multiplie par la chance pour chacun de donner l'allèle récessif responsable de la drépanocytose à l'enfant, c'est-à-dire 1 demi. Donc, 2 tiers fois 1 fois 2/5 fois 1 demi fois 1 demi. Calcul bien fait, on obtient 4/60, soit 1/15. On retient donc les examens prénuptiaux sont un ensemble d'examens de laboratoire qui précèdent le mariage. L'importance réside dans le fait qu'ils aident le couple à gérer certaines situations ou alors à arrêter la relation si nécessaire. Les résultats permettent de déterminer les traits individuels héréditaires pouvant ou non affecter la santé du futur enfant, tels que les groupes sanguins rhésus, le type d'hémoglobine. Après les examens prénuptiaux, nous allons découvrir les examens qui sont faits pendant la grossesse, à savoir les examens prénataux, les examens qu'on fait avant la naissance. Le premier examen, d'après ce document, est l'échographie. D'après ce document, on prescrit généralement 3 échographies au cours de la grossesse d'une femme. Et en observant ce document, on peut déterminer le principe de ce type d'examen. Et il s'agit donc d'une technique d'imagerie qui utilise les ondes ultrasonores, c'est-à-dire les ultrasons à haute fréquence. Et ces ondes sont produites par cet appareil qui est placé par exemple sur le ventre, cette sonde. Et l'appareil va glisser sur le ventre grâce au gel qui est déposé sur le ventre de la patiente. Les ultrasons sont convertis par ce convertisseur et traduits donc sur l'écran et on peut observer l'image de l'enfant. Hormis l'échographie, vous avez 3 autres méthodes qui sont résumées sur ce document qui relèvent des examens prénataux. Ces méthodes sont, on peut les lire, l'amniocentèse,
la chordosynthèse, la choriosynthèse. Alors, en quoi consiste chaque méthode? Lorsqu'on observe le document, vous voyez que l'amniosynthèse, c'est le prélèvement du liquide amniotique dans lequel se trouvent les cellules fœtales, comme bien indiqué ici, hein, la coloration en bleu du liquide dans la seringue. La chordosynthèse, c'est le prélèvement du sang du fœtus dans le cordon ombilical à travers l'abdomen de la mère, comme indiqué ici. Et la choriosynthèse ou biopsie du chorion, c'est le prélèvement des cellules des villosités choriales. On le fait avec une pince à biopsie qu'on introduit dans le vagin et on prélève donc les cellules ici. Et vous allez vous rendre compte que toutes ces formes de prélèvement vont permettre, par exemple, de mettre les cellules en culture et les cellules prélevées mises en culture vont aider pour le laboratoire à établir, par exemple, le caryotype du fœtus ou mieux même aller plus loin, analyser les molécules d'ADN. Ces examens sont donc faits pour, généralement, les femmes dont les grossesses sont à risque. Et les grossesses à risque sont les grossesses généralement qui surviennent à un âge avancé ou bien des grossesses à risque qui sont liées à des antécédents familiaux. Alors nous avons donc vu qu'il y a l'échographie. C'est une méthode qui est utilisée pour suivre la croissance du fœtus et utiliser et déceler, autant pour moi, certaines anomalies. Et comme j'ai dit, on préconise généralement trois examens au cours de la grossesse. L'amniosynthèse, la choriosynthèse et la chordosynthèse sont des techniques de prélèvement des cellules fœtales. Elles permettent d'établir le caryotype du fœtus afin de déceler les anomalies chromosomiques, de rechercher même certaines infections fœtales comme la toxoplasmose et de pratiquer certaines analyses biochimiques. Bien, voilà donc pour les examens prénataux. Et ces notions étant découvertes et bien explorées, revenons à Sorel. Sorel et son mari sont bien portants, mais un médecin affirme qu'elle mettra au monde un enfant mal formé. Scientifiquement, pour comprendre l'affirmation du médecin, on rejette l'hypothèse selon laquelle le mari de Sorel n'est pas le père de l'enfant. C'est une hypothèse très vague. On va s'intéresser à la deuxième hypothèse. Le médecin a analysé les résultats de leurs examens prénuptiaux. C'est logique. Le médecin a analysé les examens prénuptiaux et a effectué les examens prénataux que nous venons de voir. On valide. Le médecin s'est appuyé sur l'âge et les antécédents familiaux de Sorel. C'est aussi une possibilité. Donc, on peut valider cette hypothèse. Bien, vous avez donc compris la situation de Sorel. Et on va donc voir si vous pouvez reconnaître un examen ici. Cette vidéo va montrer un examen et il faudrait être capable de le reconnaître et de l'identifier. Vous voyez bien là un fœtus et vous allez observer attentivement le geste qui est fait au niveau du ventre de la mère. Vous observez attentivement. Voilà. Vous observez une seringue qui traverse la peau de l'abdomen. Vous voyez qu'un liquide est prélevé. Alors, je suis sûr que vous avez reconnu cet examen. S'il faut l'identifier, il s'agit de la myosynthèse. Et la vidéo nous montre donc que c'est une procédure médicale invasive qui consiste donc à prélever le liquide amniotique. Conventionnellement, on prélève 20 ml. Et ce liquide doit donc contenir les cellules qu'on va examiner. On peut faire le caryotype des cellules pour détecter d'éventuelles anomalies. On peut voir s'il y a des, on peut détecter des infections ou bien on peut analyser ce liquide. On peut faire des analyses biochimiques pour mieux être édifié sur l'état de santé du fœtus. Chers apprenants,
Nous sommes parvenus au terme de la dernière séance, de la cinquième séquence qui porte sur les prévisions en génétique humaine. Il faut donc retenir globalement que toutes les leçons déroulées avaient pour objectif de vous donner un certain nombre de savoirs et savoir-faire, lesquels peuvent vous permettre plus tard de prévoir, même dans votre famille, la possibilité de la survenue de certaines anomalies. C'est vrai, les connaissances reçues ne sont pas exhaustives, mais elles vous permettront de mieux comprendre déjà ces séquences et vous pouvez, pour cela, vous entraîner sur ce devoir. Âgée de 39 ans, Madame X s'inquiète pour la santé du bébé qu'elle mettra au monde. Après avoir réalisé une biopsie des villosités coriales, on a fait un examen prénatal, le médecin établit le karyotype ci-dessous. Vous avez ce karyotype. Premièrement, Madame X a-t-elle raison d'être inquiète? Justifiez votre réponse. Deuxièmement, écrivez la formule chromosomique du fœtus, puis expliquez le mécanisme à l'origine de la garniture chromosomique indiquée par le karyotype du fœtus. Sur ce, chers apprenants, je vous retrouve pour une nouvelle séquence intitulée « Activité réflexe ». On tege si ma tege yop, on tege minga ma tege nyom, on tege ma jang ma tege ndom, mane tambia niña ne injo biayen, ngani bana ma tege mot, ngani la kiri wa tege ndom, esu kina bia dinkido, mane tambia niña ne injo biayen, tam tama mote tam zabike, Tam tama tonge tam zabike tam tam tama mote tam zabike mane tambia niña ne injo biayen